J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul action avec vraiment des pépites, des nouveautés, des choses vraiment trop bien. Je vais vous afficher à chaque fois les prix ici. Ça faisait longtemps que j'avais pas craqué autant action, mais comme là j'avais des petites choses en tête absolument que je voulais trouver, j'ai pris des trucs aussi pour la rentrée, des trucs pour la maison, bah bref, plein de choses. J'avais envie de partager un petit peu ça avec vous. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo action. Donc, si vraiment l'idée vous plaît tout de suite là, si vous aimez ça de temps en temps, bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, avant de commencer quand même pour mon haul action, j'avais envie de vous présenter mes petites photos du Canada. J'ai commandé sur le site Lalalab, hein, je sais pas si vous connaissez, hein, mais voilà, l'application Lalalab, c'est une application que j'aime beaucoup et j'utilise déjà très régulièrement. Là, ils m'ont offert un petit bon d'achat, j'ai pu commander mes photos du Canada, puis moi j'ai rajouté, puisque j'en ai un peu trop commandé, j'ai rajouté. Ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils envoient ça sous des petites boxes comme ça et que vous pouvez d'ailleurs stocker. Et vous mettez juste une petite étiquette ici avec, je sais pas moi, été 2023 par exemple, et vous pouvez les stocker. Ça, c'est quand même très bien. Si vous faites du scrap et tout, c'est aussi super bien. J'ai des codes promo pour vous. Donc, j'en ai un de moins 20%, si je me trompe pas. Je vous mets tous les codes que j'ai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Puisque c'est toujours cool d'avoir un petit code quand vous voulez imprimer vos photos de vacances. Et là j'ai pris ce format là, donc il y a différents types de formats, vous pouvez prendre le format vintage ou vous pouvez ainsi mettre en dessous une petite annotation, un petit mot. Mais moi j'avais pas envie, donc j'ai pris les formats comme ceci avec juste ce petit liseré blanc. Pareil, vous pouvez enlever le liseré blanc hein, si ça ne vous intéresse pas. Et je crois que j'en ai pris 40, 30, je ne sais plus, honnêtement je ne sais plus, mais elles sont trop canons. Donc les petits couchers de soleil à Québec City, la petite rue comme ça à Québec City, je vous en ai parlé sur Instagram, mais j'ai tellement adoré cette ville, j'ai complètement adoré, donc toujours Québec au Canada. Il y a des photos avec mes enfants, des photos des rues de Québec, regardez cette rue, elle est pas trop sympa. J'ai la cascade des Montmorency que j'ai trop aimé aussi à Québec. On a des petites photos de famille, on a fait des photos à la piscine parce qu'on avait une piscine là-bas. Du coup, photos avec la piscine, avec chérie, on a fait des photos à Montréal quand même. Regardez celle-ci à Montréal avec la grande roue de Montréal. Encore la grande roue avec chérie, trop bien, vraiment on a fait des belles photos. Ça, j'ai fait un petit réel avec chérie sur Insta encore une fois et puis bah, du coup j'ai imprimé la photo parce que je trouvais qu'on était trop mignons. Toronto, j'ai trop aimé Toronto, c'est vraiment une très 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 belle ville et honnêtement vous voyez la qualité des photos est canon hein. Ça c'était sur l'île de Toronto, on a une super vue sur, sur Toronto, c'était vraiment très 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 beau. Oh là là, mais les photos sont trop belles, ça fait trop plaisir. Oh là, j'entends. On a fait aussi les chutes du Niagara, regardez. Oh là là, Niagara Falls. De toute façon si vous avez suivi mes vlogs au Canada, bah, vous avez vu tout ça hein. Mais bref, que des trop belles photos. Donc très très contente de la qualité. Moi je commande et je recommande à chaque fois Lalalab. Donc je vous conseille si vous ne connaissez pas cette application. Bref, on passe maintenant à mon petit haul, enfin mon gros haul quand même, action. D'ailleurs, je reviens du Canada, mais j'ai quand même acheté des choses pour mes prochains voyages, puisque j'ai décidé cette année que c'était l'année du voyage. Donc, pour Barcelone, puis je pars, parce que je pars pour mon anniversaire à Barcelone cette année, j'ai pris une petite, vous savez, une petite valise bagage en soute, là, qui est à 22 euros, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est cette marque-là, hein, la marque Bruxelles, comme ça. Je pense que le format il est plutôt pas mal, c'est 2,2 kg hein, et c'est soi-disant le bon format pour 30 litres à l'intérieur. J'ai regardé, elle est vraiment pas mal, elle roule bien. Parce que c'est ça aussi des fois quand on achète des valises un peu bas de gamme, elle roule mal en fait et c'est casse-pied. Là elle avait l'air de rouler bien et bien sûr évidemment au Canada à l'aéroport pour la deuxième fois de ma vie, j'ai perdu mon coussin comme ça. J'en avais un tout noir, je l'ai perdu. J'étais deg parce que j'ai fait attention à tous ceux de mes enfants mais pas le mien hein. Donc j'en ai racheté un pour moi à 2,99€ et c'était pas cher je trouve. Et attention, prenez ça si vous partez en voyage, prenez avec la petite truc là parce que même pour le stocker sur votre valise, vous l'accrochez et comme ça, comme moi, vous n'allez pas le perdre. Parce que moi le mien, il n'y avait pas cette petite attache et du coup bah, il fallait le tenir tout le temps ou le ranger dans un sac et c'était pas pratique. Donc encore une fois, voilà, c'est le petit truc qui change tout et qui évite comme moi de perdre les choses.
J'ai pris des trucs assez basiques hein, pour la maison, je vous montre, hein, c'est un peu dans le désordre évidemment. Des petits trucs comme ça qui sentent bon pour les WC, des nouvelles éponges toutes roses. Voilà, j'ai fait ma fifille, j'ai pris des roses. Du papier de cuisson en feuilles comme ça que nous on aime beaucoup chez Action, qu'on utilise très souvent. J'ai repris des sacs Ziploc parce que bah, c'est vrai que c'est quand même utile pour ranger des gâteaux, de paquets de gâteaux qui sont ouverts. Et pour les réserves de rentrée des classes, là mes enfants pour leur rentrée on leur a demandé des réserves de colle, tout ça, bah, je vais mettre là-dedans. Et je vais mettre à leur prénom, puis voilà, comme ça sera plus facile à mettre dans leur sac d'école sans que ça soit en vrac dedans et que les maîtresses doivent chercher à l'intérieur. Enfin bref, vous voyez le truc, je me suis dit que c'était plus pratique là-dedans. Mon fils il s'est choisi une petite trousse comme ça pour la rentrée avec deux compartiments. Faites attention, les fermetures sont pas ouf hein. J'ai trouvé que d'ailleurs les trousses elles étaient pas dingues là chez Action. D'habitude c'est mieux. Pour ma valise, pour que je la repère plus facilement sur le tapis quand elle reviendra, d'ailleurs il y a un code aussi dessus, j'ai pris une sorte de trappe à valise comme ça, rose. Je me suis dit que c'était pas mal parce que quand vous savez les valises elles reviennent de l'avion, parfois il y a 15 fois la même qui ressemble à la vôtre et vous vous dites mince c'est pas la mienne encore. Et je me suis dit avec ça au moins peut-être que je la reconnaîtrai un peu plus parce que j'ai pas envie de coller des stickers sur ma valise, donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris des sacs poubelles, évidemment éléments indispensables, mais ça s'est déjà enlevé dans mon sac. J'ai pris de la Soupline, j'ai été un petit peu plus dans le rayon maison, j'avais envie de tester, je connais bien la Soupline, j'utilise souvent, mais j'ai jamais acheté celle-ci, donc je vous dirai ce que j'en pense, si ça vous intéresse. En tout cas, c'était vraiment pas cher, donc j'ai pris ça, et j'ai pris leur fameuse nouveauté aussi. La voici, c'est des petits trucs à la noix de coco, je crois qu'il y avait plusieurs odeurs, et qui est une sorte d'assouplissant pour que votre linge sente très très bon. Écoutez, ma foi, coconut, je me suis dit, ça avait l'air sympa, j'en ai entendu parler dans des vidéos. Mais ça sent bon, c'est assez doux comme odeur, donc je me suis dit pourquoi pas. Testons. Pour info, ça remplace l'adoucissant, hein, c'est pour donner une odeur un petit peu à votre linge, donc vous mettez à la place de l'adoucissant tout simplement dans votre machine. Je suis tombée sur ça dans le rayon beauté, un truc pour les pieds en version électrique, vous savez, pour râper vos pieds quand vous avez un petit peu des cornes. Et je vous avoue que là mes pieds sont pas au top, hein. C'est pas trop, entre guillemets, dégueulasse, hein, mais... écoutez, ça m'a donné envie, c'était 5€ je crois, et je me suis dit, allez Karine tu vas tester, j'avais envie de faire une petite beauté à mes pieds, donc il y a deux râpes à l'intérieur. Écoutez, je testerai, je vous en reparlerai, mais est-ce que ça va le coup, je ne sais pas, mais c'est la première fois que je le vois dans le rayon, donc je l'ai pris. J'ai pris d'ailleurs des masques pour les pieds aussi au passage, j'aime bien ça, j'en ai pris un pour moi, un pour une abonnée, que je prépare un petit colis pour elle. Du coup, bah voilà, à la noix de coco, donc on testera. Et je me suis pris des rasoirs. Alors ça fait très longtemps que je ne me suis pas rasée, mais là comme je suis en train de faire l'épilation définitive, il faut raser parfois quand ça repousse un tout petit peu, et puis entre chaque épilation définitive. Du coup, bah, je me suis acheté 2, 3, 4 rasoirs comme ça pour les 3 poils qui se battent en duel. On va rester dans le rayon beauté ou maison. J'ai pris du produit vaisselle à la lavande. Du produit vaisselle, mais n'importe quoi Karine aujourd'hui. Du produit pour les toilettes à la lavande. J'avais testé celui-ci, donc j'en ai plus à la maison. En rentrant du Canada, je me suis dit qu'il fallait que j'en rachète absolument. Laetitia, ma copine, elle m'a dit que ce produit pour les boucles, la crème capillaire définition de chez Biphase, était pas trop mal. Et elle me l'a conseillé, donc je me suis dit bon allez, je testerai parce que bon... Pourquoi pas. En tout cas, l'odeur est pas trop mal. Pourquoi pas tester. De toute façon, j'aime bien tester aussi des trucs un peu plus petit prix pour me faire un avis. Puis après, je reviens toujours à ma routine préférée. J'ai pris les nouveautés aussi de l'automne. J'ai vu qu'ils avaient commencé à mettre. Et ça, l'année dernière, je l'avais loupé. Il existe en deux coloris. Ce coloris un petit peu... Alors, je sais pas quelle couleur vous le voyez là. Il a l'air un peu doré argenté. Et il y en avait un qui était un peu plus orangé doré. Donc, j'ai pris le doré argenté. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est censé être une lumière... Donc je testerai, parce que j'ai pas encore testé, mais je suis trop contente. Je veux pas trop de déco d'automne, mais ça va me faire plaisir ça d'avoir des petits trucs quand même. On reste dans la déco d'automne, j'ai pris ces trois petites... j'ai trop adoré, elles sont trop belles. Du coup, bah, je sais pas si vous avez vu dans mon haul Makers, j'ai pris deux petites choses de l'automne. Et je me suis dit que ça allait compléter ça. Elles sont, je crois, 80 centimes, je ne sais plus, mais... Voilà, j'en ai pas pris beaucoup, il y avait plein d'autres coloris hein, différents, de tailles différentes, mais j'ai pris que ces trois-là. Au niveau maison, je vous ai dit c'est mélangé, j'ai pris du produit comme ça pour la vaisselle, mais en fait moi c'est pour laver mes tapis Cricut. Alors si vous me suivez et que vous savez que j'ai des produits Cricut et que vous aussi vous en avez un, sachez que pour nettoyer votre tapis collant Cricut, il est pas mal d'utiliser du savon comme ça pour la vaisselle, mais pas citronné, parce que le côté citron abîmerait
potentiellement les tapis. Donc j'ai pris voilà, celui-ci pas cher, c'est juste pour nettoyer mes tapis Cricut. Et alors ils ont mis des nouveaux vases à Action qui sont magnifiques, très design. Il y avait différents coloris mais moi j'ai pris celui-ci un peu terre clair là comme ça, nude. Et je vais aller m'acheter des petites fleurs pour mettre dedans parce que ouais, j'ai trouvé trop trop beau. Très très sympa, vraiment très très sympa ce petit vase. Belle affaire chez Action. Bon, ma caméra a décidé de s'arrêter, évidemment c'est toujours comme ça quand on filme une vidéo sympa, toujours il n'y a plus de batterie. Bref, je vous disais avant que ça coupe, je ne sais plus où ça a coupé, mais que j'avais trouvé une nouvelle palette dans le rayon make-up de chez Action, la Peony, donc une palette un petit peu plus estivale. Elle a l'air pas mal, avec des petits rosés, des petits verts, des petits marronnés, enfin voilà. Très sympa, donc moi je prends que celle-ci, hein, les Max & More comme ça, parce que honnêtement j'en ai testé plusieurs et la qualité est plutôt pas mal pour le prix. Ça doit être autour de 4,99 donc, ou 4,95. Vraiment c'est des palettes très sympas pour des tout petits prix, donc à chaque fois j'aime bien tester les nouvelles. Je sais que je crois qu'il y en a encore une autre nouvelle, mais moi je suis tombée que sur celle-ci et je suis trop contente. Pour l'école de mon fils, j'ai pris une petite boîte à mouchoirs parce que souvent c'est demandé dans les listes d'école. Et moi je me suis pris une petite boîte à lunettes comme ça pour mes lunettes de soleil, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'en avais pas de petite boîte rangement un peu plus solide et que j'avais que des trucs mous là où vos lunettes elles sont un petit peu malmenées. Donc je suis tombée sur celle-ci, j'aurais préféré une version noire mais il n'y avait pas. Mais en tout cas bon, je me suis dit c'est très bien pour protéger mes lunettes de soleil, ça va le faire. Comme d'habitude, on prend des petits bonbons chez Action. Donc j'ai pris ceux-là, je ne les connais pas trop, c'est pas pour moi, c'est plus pour mes enfants. C'est eux qui ont choisi ça. Moi j'ai choisi ceux-là, les Samia, qui sont version halal pour mon frère, mon petit frère. Je vais lui laisser sur le lit, comme il vient aujourd'hui, bah, il aura un petit cadeau sympa. Et pour la famille, on a pris les Happy Mix. Je crois que c'est un nouveau paquet, ceux-là, je ne les ai jamais vus. En tout cas, ils étaient en promotion. Donc c'est un mélange de plein de bonbons. On a pris ça au niveau des bonbons. J'ai trouvé aussi un tour de cou, là, le même style que ça, là, que je vous ai montré au début, là, celui-ci, mais en version gonflable. Donc je me suis dit, vous allez dire, la fille, elle en a pris un, alors elle en prend un autre gonflable, mais je me suis dit que mon mari, il n'en avait pas. Donc en gonflable, ce serait peut-être pas mal. Et puis si il nous arrive encore une fois une galère et qu'on en perd encore un au passage, eh ben, j'en aurai un autre en stock. C'était vraiment pas cher, je crois que c'était 99 centimes. Donc ma foi ça prend pas de place hein. Ça dans un sac à dos ça prend pas de place. Vous le. Bon, après je sais pas si la qualité est ouf, mais voilà, j'ai préféré prendre les deux par sécurité. Comme je vous ai dit, j'ai bien l'intention de voyager. J'ai repris pour la maison des pinces à linge, parce que ça je ne sais pas ce qui se passe, mais elles se. Avec le temps elles s'abîment. Elles sont pas d'une qualité extrême hein, celles-ci, mais bon, écoutez, noir, blanche et grise, ça passait. J'ai pris mes culottes favorites chez Action. Logiquement c'est celle-ci parce que des fois j'ai du mal à les retrouver. Donc c'est cette gamme là. Et j'aime bien la forme de la culotte. Moi, je prends la taille XL qui me va parfaitement bien. Je crois que c'est les plus grandes hein, que vous pouvez trouver. Et elles sont très douces, de bonne qualité. Mais malheureusement, au bout d'un an ou deux ans, bon, elles se font vieilles et il faut les remplacer. Mais on va pas se plaindre parce que c'est vraiment petit prix. Elles sont vraiment confortables. Il reste quelques petites choses. J'ai pris des lingettes pour le laver, le sèche-linge, pardon. Lenor. Alors, le paquet, il est ouvert, mais ils étaient tous ouverts, en fait. Je pense que la colle, elle tient pas bien. Donc ça sent en tout cas très très bon, ça sent d'ici. Vous mettez ça dans le sèche-linge pour que votre linge ait encore plus une odeur toute douce de propre. Donc j'aime bien l'utiliser, surtout quand il y a des draps où mes enfants ont fait pipi au lit, parce que oui ça arrive. Et malgré la lessive, malgré l'adoucissant, parfois je trouve que le linge, il sent pas, il sent plus le pipi, mais vous savez, il n'a pas cette odeur de propre. Du coup j'aime bien utiliser ça à ce moment-là. Et j'ai trouvé une petite paire de baskets pour ma fille. Alors je l'ai pris en 35, j'espère que c'est pas un peu trop grand. Mais bon c'est pas grave, sinon on verra ça tout à l'heure, je vais lui faire essayer. Et voilà, elle aime bien ce genre de petite basket avec la petite protection ici. Même si ça salit, bah voilà, ça reste, ça se nettoie plus facilement. Elle en avait déjà eu une paire qu'elle aimait bien, donc voilà, je lui ai repris ça. Et pour la liste d'école, il fallait des pochettes à rabat. Donc on en a pris une pour mon fils, une pour ma fille. Qui sont vraiment, vous savez, c'est des pochettes à rabat un peu plastifiées, donc je les trouvais plutôt pas mal. Donc ça, ce sera pour l'école. Voilà pour mes trouvailles chez Action. Pas mal de petites nouveautés quand même. Ça, le rayon était bien plein, avec plein de paires de chaussures. Il y avait pas encore
encore beaucoup de choses dans mon action au niveau décoration d'automne, mais il y avait un petit rayon qui commençait à se développer. Il n'y avait pas du tout de trucs d'Halloween, je ne sais pas si vous c'était le cas. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas avoir les choses de l'automne et d'Halloween au mois d'août. Je vous avoue que comme moi je suis déjà partie en vacances, là je suis dans un autre mood. Je suis en mood de rentrée des classes et ça ne me dérange pas du coup. Mais c'est vrai que si j'étais pas partie encore en vacances, ça m'aurait saoulée. Vous voyez, je pense que ça dépend de l'état d'esprit. En tout cas, je suis contente de mes trouvailles, vraiment. Il fallait que je refasse le plein de plein de petites babioles pour la cuisine et la maison. Mais vraiment, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est aussi pour ce vase. Pourtant, je suis pas très vase et tout, mais celui-ci, je l'ai trouvé trop canon. Et je vais trop aller m'acheter des petites fleurs pour mettre dedans parce que ça me donne trop envie. Donc voilà. En revanche, un peu déçue de tout ce qui est rentré des classes, j'ai pas trouvé qu'il y avait des trucs très dingues. Il y avait des trousses pas de patrouille, des choses comme ça, mais c'est tout quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc dites-moi tout dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez des dernières nouveautés Action ou pas. Et je vous retrouve dans les commentaires évidemment. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut !